Dieu a suscité un homme devant sa face, qui est J.P. Mackenzie. The bus, it was too far, it was really too far, like 7 hours. Je m'appelle Madame Judith Lusanda, je viens des États-Unis. Je viens des États-Unis, de Washington DC. J'attendais cette occasion et aujourd'hui c'est arrivé. Les enseignements, c'est tellement formidable, c'est tellement bien. Ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 10, verset 17. Open your Bible in the book of Mark, chapter 10. Comme Jésus se mettait en chemin. Comme Jésus se mettait en chemin. Incroyable. Jésus dit, je suis le chemin. Jesus said, I am the way. Mais la Bible nous dit, il se met aussi en. But the Bible says, he puts himself in the way. Dis à ton prochain, mets-toi en chemin. Tell your neighbor, put yourself on the way. Tu souffres parce que tu n'es pas en chemin. You are suffering because you are not in the way. Tu es dans la jungle. You are in the jungle. Hallelujah. Amen. C'est pourquoi tous les rêves que tu fais, tu te vois dans la jungle. That's why all the dreams that you dream, you see yourself in the jungle. Vous êtes nombreux ici. You are many here. Vous voyez toujours dans la jungle dans vos rêves. You see yourself in the jungle in your dream. Et je te vois dans ton rêve. And I'm seeing you in your dream. Tu entends les sons des oiseaux. You hear the sounds of the birds. Les oiseaux de nuit. The bird of the night. Tu entends les sons des bêtes, des loups. You see the voice of a beast. Tu vis ces cauchemars là, ça you fait go longtemps. Through this nightmare for long ago. Lève ta main là où tu es. Lift up your hand where you are. Lève-toi. Voilà. Qui encore? Who again? Lève-toi. Qui encore? Rise up. Lève-toi. 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 Stand lève-toi up. Aussi. Lève-toi aussi. Rise up. Je vais sécher ce rêve-là maintenant même. I will dry this dream. I will dry them vous out. Allez sortir de la forêt. You will come out of the forest. Cette forêt-là, je ne sais pas si c'est la forêt amazonienne. I don't know, it's the Amazonian vous forest. Serez libéré maintenant même. You will be set free. Acclamez Jésus-Christ. Acclamez. Mettez votre main droite sur la tête. Mettez votre main droite sur la tête. Put your right hand on your head. Et fermez les yeux. And close your eyes. Seulement ceux qui sont debout. Those that are standing. Puisqu'ils se sont reconnus dans ce que je viens de dire. Because they recognize themselves. C'est pourquoi je vous accorde cette minute de grâce-là. That's why I'm giving them this minute. Il y a un ange qui va vous toucher tout de suite là où vous êtes. That will touch you where you are. Je ne serai pas responsable de ce qui va arriver dans votre vie maintenant même. Parce que ce n'est pas moi qui le fais, c'est le ciel qui décide de vous délivrer. It, il va vous mettre en chemin tout de suite. Vous allez sortir de cet inconnu-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Il doit sortir de l'inconnu. Protocole, aidez là-bas. Chez J.P. Mackenzie, c'est toujours comme ça. On ne sait pas où on va, mais tout ce que nous savons, nous sommes dans le chemin. We don't know where qui we're est going, Jésus de Nazareth. All I know we are on the way. Je vous ai dit, si vous n'êtes pas prêt, vous risquez de paniquer ici. I told you, if you are not ready, you may panic here. Tout peut arriver ici. Sauf la mort. Anything can happen, only death. Sauf la mort. Only death. Et tout ce qui est négatif. And everything that is negative. Le positif peut arriver any à tout kind moment. Of positive can happen in any time. Des guérisons extraordinaires. Extraordinary healing can happen. Satan quitte la tête Satan de ces enfants de Dieu. Leaves the head of these people. Maintenant. Now. Sors. Come out. Tout de suite. Now. Sors. Come out. La puissance de Dieu. Amène-moi celui-là. The power of God.
Ça, c'est la puissance de Dieu. It is the power of God. Amène-le-moi ici. Bring him to me. C'est la puissance de Dieu, ça. Watch this, watch this, watch this. Somebody watch this. Look at it. Somebody watch it. That is the power of God. Tu sors de cet inconnu-là. Out, Satan. Come out. Go. C'est un animal ici. There's a beast in je vais te montrer que je suis le lion de la tribu de Juda. I will show you I'm the lion of the tribe of Judah. Mighty name of Jesus Christ. Come on. Mighty name of Jesus Christ. Ah. Fire of the Ghost. Mighty name of Jesus Christ. Come out in Jesus. Mighty name of Jesus. Yes, 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 yes. In the mighty name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. By fire, by the blood. Fire, by fire, by the blood. 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 Quelqu'un dit fire. Fire, by the blood. By fire. Fire, by the blood. Fire. By fire. Fire. Acclamez Jésus. Fire! Fire! Aucun démon, no demon, aucune force du mal, no power of evil, ne saura résister, can be able to resist, à la puissance qui agit en cet endroit. The power that is here. Ici, c'est l'adresse du ciel. Oh, acclame! C'est Jésus qui est roi en cet endroit. This is the part of heaven that is, Jesus is the king here. Acclamons le Seigneur. You can clap your hand for the Lord. Madame, viens. Regardez ce qui se passe là. Look what is happening here. Ah. Nous sommes en train de secouer les démons maintenant même. We are shaking the demons. Ça va? Qu'est-ce que tu as senti là-bas quand j'ai Une oppression là. Une oppression. Tu es libre. Tu ne verras plus ces rêves là maléfiques. You will not see those dreams again. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Sois libre complètement. Be delivered, be set free. Complètement, je dis. Be set free completely. Complètement. Be set free. Complètement. Au nom de Jésus. Out, Satan. Au nom de Jésus. Sortez d'elle. Come out of her. Sortez, 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 sortez. Sortez, je dis. Come out. Holy Ghost. Quelqu'un dit merci Jésus. Merci Jésus. Oh, acclame plus fort que ça. Le sourire est revenu chez elle. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. C'est fini. J'ai détruit ta force. I destroy your strength. Maintenant même. Right now in Jesus' name. Je t'arrête. I arrest you. Et je te condamne. And I condemn you in Jesus' name. Sous la barre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Under the cross of Jesus Christ. Et voilà. Tu es fini. You are done. Et les souffles entrent en toi tout de suite. The breath enter you right now. Et fasse sortir cette chose qui est à l'intérieur. And bring the thing that is inside of you. Vous voyez comment elle pique.
Look how she's behaving. Look at this. C'est l'homme fort qui est en elle. That's the strong man right there. C'est ça, c'est cet homme là qui l'a condamné. That is a man that condemned her body. Un mari de nuit. A spurious husband. Mettez-la là-bas. You are Yahweh, Alpha and Omega. Comme ça. A beautiful girl like this. Mais elle est possédée. But she's possessed. Elle est possédée. She's possessed. Regardez la beauté là. Look at this beauty. Elle est possédée. But she's possessed. Elle est possédée. She's possessed. Elle ne peut pas vivre sa vie. Elle vit la vie des autres. She lives the life of others. Parce qu'il n'y a pas un démon là-bas. Because there is not only one demon. Là, il y en a plusieurs. There is a many demons. Amen, l'amour. Nous allons lui donner la leçon de vie tout de suite. We give him a lesson right now. Ici, on ne fait jamais de cadeaux aux démons. Here we don't give gifts to the demons. Si je te fais un cadeau, c'est que c'est un cadeau empoisonné. If we give you a gift, is a poison. C'est un cadeau qu'on appelle le sang de Jésus. Regarde, regarde, regarde. The gift that we call the blood of Elle Jesus. Est petite mais puissante. Fort. She's small but she powerful. Vous voyez ça? Look oh, at Oh, Makanzo, aujourd'hui tu as du boulot. Hein. Makanzo, today you have a job. Amenez-la ici. Regardez. Look at this. Il y a des tatouages. There's a tattoos. Il y a des chaînes. Attention, ne la fais pas tomber, sinon elle va se faire mal. Hein? Dépose doucement, 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 doucement. Protège ton bassin, voilà. Vous êtes qui? Who are you? Combien vous êtes? How many are you? Une petite fille en plus. Hein? A small girl like this. Vous êtes combien ici? How many are you? Hein? Combien vous êtes là? How many are you here in this body? Hein? Combien? Quoi? Elle chante. Quelle chanson? Jéhovah. Jéhovah. Ça chante aussi. Hey. Même les démons chantent Jéhovah. Even demons are singing Jehovah. Donc toi chrétien là, tu dois chanter en esprit et en vérité. Sinon toi et les démons c'est la même chose. You Christian, you need to sing in truth in the spirit. Otherwise you and demon you are the same. Regardez ce qui chantait Jehovah. Oh, Jipe Makanzu, quel boulot aujourd'hui. Jipe Makanzu, which job have you started today? Il y a du boulot ici. Sleep here? J'ai pas encore chauffé. Est-ce que moi j'ai forcé les choses? I didn't non. Force anything. Quand je vais commander aux démons de sortir, on va faire quoi? When I will command demons to come out, what will we do? Parce qu'il y en a qui se cachent là, 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 là. Because there are some that are hiding. Je le vois, ça me regarde comme ça. I am seeing them. They are looking at me like this. Il y a même qui tremble là. And some even are shaking. Je vais essayer de passer un peu à côté ici. Oh. Vous voyez? Vous voyez ça? Do you see? Ils étaient là, là. Toi, tu ne les voyais pas. Tu ne les voyais pas. Même elle, même à côté, ne voyait rien. You could not Mais il y avait un danger là à tes côtés. Toi, tu ne voyais pas ça. Ah, cela veut dire que dans la vie, là, vous faites très attention. Les gens avec qui tu manges, les gens avec qui tu marches, même avec celui ou celle que tu dors avec. And people who you sleep with. Toi,
Toi, tu crois tu dors avec une belle créature. En réalité, you c'est pas ça. You are living with a beautiful creation. La femme croit qu'il dort avec un prince charmant. En réalité, c'est un prince méchant. Regardez. Regardez là-bas, là-bas, là-bas. Il y a une autre là-bas. Ici, il y en a plusieurs là, là, plusieurs là. Look at this. There's somebody there. There's plus je m'approche, plus le danger contre les démons. Ici, il y en a encore là. More I'm coming, the danger. Il y en a plusieurs ici. Il y en a plusieurs ici. There are a lot here. Hey, in the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Come on. Au nom de Jésus. Hey. Voyez. Toi là, il y avait les dangers là. Elle est entourée de dangers, celle-là. Même toi aussi, tu es en danger. Derrière toi, il y avait un danger. Behind you, regarde, regarde, elle pleure, elle pleure. Elle pleure. Elle me montre du doigt. Fire gauche! Fire! Là, derrière, là, c'est le serpent. Là. Regardez, regardez, regardez. Ça, c'est le serpent. C'est un esprit de séduction là-bas derrière là. Ça séduit les hommes, faut pas imaginer. Oh les hommes mariés, attention. Fire by the Ghost, the mighty name of Jesus Christ. Fire in Jesus name. Hey hey, manifestez-vous, manifestez-vous. Fire! Fire! Come on! Come on! Au nom de Jésus. Come on! Au nom de Jésus. Amen la moi. Il y a du travail, beaucoup de travail ici. Ici aussi, il y en a. Fire! Fire! Ouf! Go, Satan! Amène-la-moi. Ça bring ferme it to les coups de poing. Amen, celle-là aussi. Fire, Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! Fire! 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 Tu as peur de dire fire, toi aussi, là. C'est qu'en toi, il y a quelque chose. You are scared of calling fire, there is something inside. Oui, je suis fort. Toi, tu es fort. Moi. Toi, tu es qui? Qui es-tu? Tu es qui? Who are you? Qui es-tu? Je ne sais pas. Où are you? Tu ne sais pas. Mm-hmm. Si tu sais. La forêt. Tu es la forêt. Vous entendez? Rush that. Tu vas partir où? Je pars, je cours. Tu pars où? Je suis fort. Tu n'es pas fort. Hey. Tu es détruit aujourd'hui. Je suis. Tu es lié aujourd'hui. Je suis. You are bound. Fire! Holy Ghost! Fire! Jesus name. Va frère, tu es libre. Qui es-tu? Qui es-tu? Who are you? Qui es-tu? Avec tes prières, tu m'as tué, tu es en train de me tuer. Dis tes prières. Je suis en train de me tuer. The demon says this yesterday, the prayer of the man of God is destroying him. C'est notre princesse. C'est notre princesse. Toi, tu as fait d'elle princesse. C'est notre reine. Toi, tu es elle doit manger avec les grands de ce monde. Ah bon? Elle doit manger avec les grands de ce monde. Tu es princesse préparée dans le monde des ténèbres. Toi, tu es qui? Who are you? Tu es qui? Je suis. Tu sais que je suis. Je sais qui tu es. Dis-leur alors. You know who I am. Dis-leur qui tu es. Tell them who you are. Moi je sais, eux ils ne savent pas. Me, I know you. Dis ça toi-même. Tell them. Sirène des eaux. You murmured spirit. Esprit de séduction. You spirit of seduction. C'est ça. C'est ça qui séduit les autorités de ce monde.
C'est ici aussi, c'est ici aussi là. Elle veut fuir, elle veut fuir. Viens ici. Ici. Pourquoi tu la fatigues? Hein? Pourquoi tu la fatigues? Hey! Pourquoi tu la fatigues? Why are you making her suffer? Hein? Why are you making her suffer? Pourquoi tu la fatigues? Why are you making her suffer? Hey! Sors d'elle, tout de suite. Come out of her. Ça parle la langue aussi. The demon is speaking in tongue. Ça parle la langue. Demon is speaking in tongue. Fire! Mighty name of Jesus Christ. And Jesus. There's a serious battle going on. Acclamez pour Jésus. Je vous ai dit, ce que vous allez voir ici, ça va vous dépasser. Ne fuyez pas. Soyons là tous. Do not run away. Que personne ne fuit. May nobody run away. Parce que ce soir là, this evening, le diable qui est en toi va te dire sors d'ici vite. The devil is saying, ne l'obéis pas. Quickly. Don't tu vas sentir dans ton cœur quelque chose te dit sors d'ici. Sors d'ici. Somebody is telling you, ce n'est pas ta place. Sors d'ici. Si tu sens ça, ne sors pas. If you feel that, don't come out. Il veut aller te tuer dehors. You want to go and kill you outside. Tu entends ce que je dis? You hear what I say? Relève-moi celle. Je vais vous expliquer maintenant. I will explain to you. Quel est le mystère qui se passe ici? What is the mystery that is happening here? Il y en a d'autres. There are certain qui recevront bel et bien leur délivrance. That will receive their deliverance. Mais il y en a d'autres qui ne les recevront pas. But some they will not receive their deliverance. Pour une simple et bonne raison. For a only one good reason. Si vous devenez un avec les démons, if you become one with the spirit, faut jamais espérer la délivrance, à la délivrance. Do not expect a deliverance. Amen. Amen. Mais si vous êtes captif ou captive, if you are captive, Jésus viendra vous délivrer. Jesus will come and set you free. Et ça la différence. That is the difference. Si vous devenez un avec les diables, if you became one with the devil, vous êtes devenu les diables. You became a devil. Et votre mission c'est de voler, and your mission is to steal, égorger, kill, et détruire, and destroy. Avec qui tu marches? Who are you walking with? Avec qui tu manges? Who are you eating with? Sachez-le que les mauvaises compagnies finissent toujours par corrompre les bonnes mœurs. You need to know the bad company corrupt the good one. Qui est ton ami? Who is your friend? Tu dis c'est mon ami d'enfance. You say this my friend from childhood. C'est mon ami. It's my friend. On se connaît depuis l'enfance. Hein? We know each other from childhood. Est-ce que tu la connais vraiment? Do you know her really? Hallelujah. Relève celle-là. Reçois la grâce, ma fille. Receive the grace. Receive the grace. Viens. Come. Comment tu t'appelles? What is your name? Louise. Louise. Her name is Louise. Tu viens d'où? De Toulouse. From? De Toulouse. Oui. Tu es mariée? Are you married? Non, je vis avec quelqu'un. Tu vis avec quelqu'un? She live with somebody. Tu vis avec un péché? She's living in sin. Vous n'êtes pas mariés? You are not married. Vous couchez ensemble? You comme si vous étiez mariés. Like you were married. Et vous ne vous culpabilisez pas? Si, je lui ai dit. Tu lui as dit? Je il lui a dit quoi? Oui. Trop de conditions, le notaire, les voilà. A lot of conditions. Notaire, les biens, machin. Finalement, j'ai dit, je veux plus. Il faut casser les relations sexuelles. You need to break the rapports sexuels. J'ai cassé. Faut casser. You need to break the sinon, les démons là qui sont sortis vont revenir fois 7. Otherwise, the demons that came out, they will come back again 7 times. Rentre dans ta chaise. Tu es libre. Go and sit down. You are free. Continue à lire. Nous allons expliquer la parole de Dieu. Continue to read. We're going to explain the word of God. Un seul verset nous a conduit jusqu'ici. One verse have guided us. Même pas here. Un verset entier. Hein?
Ça, c'est puissant. It is powerful. Si tu es dans une église, if you are in a church, il n'y a pas ces choses dans ton église. There are not these things in your church. Sors. Come out. Sors de cette église-là. Come out of the church. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to somebody? Dans ton église, in your church, si le Saint-Esprit ne se manifeste pas, if the Holy Spirit does not manifest, pour libérer les captifs, to set the captive free, c'est que vous êtes tous sous les liens. That means all of you are under the bondage. À commençant par les pasteurs, jusqu'au dernier. From the pastor to the tout last le monde one, lié. All of you are bound. Vous parlez seulement des versets, mais ces versets-là ne se manifestent jamais you dans votre vie. Talk about the verses, but the verses did not manifest themselves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to somebody? J'ai cité le nom d'une église ici. Did I call the name of a church here? L'église de Jésus-Christ. The Church of Jesus Christ. C'est l'église où le Saint-Esprit se manifeste avec puissance et force. Manifeste with the power and the might. Si nous croyons que nous sommes l'église de Jésus-Christ, if we believe we are the Church of Jesus Christ, nous devons croire, we need to believe, que l'Esprit du Christ habite en nous. That the Spirit of Christ Jesus lives in us. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temple du Saint-Esprit? The Bible says, don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. That the Spirit of God lives in you. Arrêtons de nous voiler la face. Let us stop veiling our face. Ça sert à rien. It does not mean anything. Nous serons démasqués tôt ou tard. We will be unmasked later. Or soon or later. Si je suis un escroc, je serai démasqué. If I'm a fake pastor, I will be revealed. Si je suis un faux pasteur, je serai démasqué. Tôt ou tard. Soon or later. Mais ce n'est pas parce que les journalistes du monde ont dit quelque chose contre moi que vous allez dire que je suis démasqué. That's why you will say that I'm unmasked. Celui qui démasque, c'est le Saint-Esprit. The one that unveils. Et ce n'est pas les journalistes du monde. Not the journalist. Hallelujah. Vous devez toujours savoir que le diable est un menteur. You don't know that the devil is a liar. Beaucoup même parmi vous, vous avez été victimes de mensonges. A lot of you have been victim of lies. Et les gens qui sont dans votre entourage ont cru à ces mensonges-là. And people around your neighborhood, they believe. Plusieurs vous payez le prix à cause des mensonges de certaines personnes. A lot of you are paying the price because of the lies of many. Qui vous ont fait passer pour une prostituée. That make you a prostitute. Ou pour un voleur. Or a thief. Pour un menteur. Or a liar. Soit disant que tu avais pris l'argent de ceci, de cela. So called you take money of this one and this one. Vous êtes innocent. In reality, you are. Soit disant que tu avais volé le mari d'autrui. So called you. En réalité, tu ne l'as pas fait. In reality, you didn't do it. Et cela pèse sur toi. And that thing is heavy on you. C'est le mensonge du diable. It is the lie of the devil. N'accepte jamais une accusation contre quelqu'un. Don't accept accusation against somebody. S'il n'y a pas de preuve. If there is no proof, there's no evidence. You can put your hand. Acclamez plus fort que ça. Si je vole, if I'm a steal, on doit me prendre la main dans le sac. You need to catch me hand in the bag. Mais s'il n'y a pas de preuve, if there is no evidence, et qu'on vous dit ce J.P. McKanzu là est un magicien, and they tell you that J.P. McKanzu is mais a c'est magician, lui qui te dit ça, the one that is telling you that, il n'a qu'à te montrer la magie là. He show you the magic that this man is doing. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Moi, je vous montre mon Dieu. Me, I'm showing you my God. Je prêche un Dieu vivant. I preach a living God. Mes paroles sont toujours accompagnées de signes et de prodiges. My words are followed with the signs and wonders. Si dans cette église-là, if in this church, il n'y a pas de prodiges, no wonders, il n'y a pas de signes, there's no signs, il n'y a pas de miracles, there's no miracle, qui témoignent la présence du Saint-Esprit, oh, that testify the presence of the Holy Spirit. Sortez. Come out. Il a dit, je ne vous laisserai jamais seul. He says, I will not leave you alone. Vous irez annoncer la bonne nouvelle. We go and announce the good news. Mais vous ne serez jamais seul. You will never be alone. Je serai moi-même avec vous. I will be me myself with you. Pourquoi? Why? Parce que nous sommes le corps.
corps de Jésus-Christ. Because we are the body of Christ. Lui-même est esprit. Himself is a spirit. Il est dans ce corps. He's in this body. Qu'on appelle le corps de Christ. We call the body of Christ. Qu'on appelle l'église. We call the church de Jésus. Of Jesus Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Do you understand me? Ne vous y trompez pas. Do not make a mistake. Le corps sans esprit, the body without a spirit, c'est un cadavre. It is a dead body. Est-ce que je me fais comprendre? Do you understand? Le corps sans esprit, c'est un. Quelqu'un n'est pas d'accord, je m'en fous. Body without a spirit is a dead body. Somebody, you are not right. Mais réfléchis toi-même. Okay, I don't care. Si on enlève ton esprit, tu n'es plus humain. If they take away your spirit, you are no tu deviens mort. You became a dead body. Alors une église sans l'esprit de Dieu, c'est une église morte. It is a dead church. That's right, man of God. That's right. That's right. L'esprit, c'est lui qui donne le sens au corps. The spirit is the one that gives sense. C'est lui qui permet à notre corps de faire des mouvements. He allows our body to do movements. L'esprit permet à notre corps de réfléchir. He allows our body to think about. L'esprit nous permet à ce corps de parler. He allows our body to speak. De marcher. To walk. De s'asseoir. To sit down. De se faire entendre. To make him hear. C'est l'esprit. He's a spirit. Dans le corps. In the body. My God, acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Le corps, the body, sans esprit, without spirit, c'est un corps qui ne peut parler. It is a body that cannot speak. C'est comme un ballon qui n'a plus d'air. It's like a ball that have no wind in it. Quelqu'un m'entend? That have no air in it. Olivier, c'est ton mari. It's your husband. Viens. Come. Oh, acclame pour Jésus. My God. Il est où? Where's your husband? Il est à Lyon. Oui. He's in Lyon. Il fait quoi? What is he doing? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? What is he doing in life? Je sais pas, je ne lui parle pas. Tu ne lui parles pas, pourquoi? I don't talk to him. Parce qu'on est séparés. Vous êtes séparés. Tu es sûr que vous êtes séparés? Parce que lui, c'est Bouddha et moi, c'est Dieu, donc... Hein? Lui c'est Bouddha et moi c'est Dieu, donc ça colle. Lui c'est Bouddha, toi c'est Dieu. He served Buddha, I served the living God. Mais tu croyais que vous êtes séparés, mais moi j'ai vu Olivier ici. You think that you are separated, yes. C'est pourquoi j'ai appelé Olivier. L'esprit voit les esprits. Alléluia. Elle est étonnée, elle est paniquée. Surprise. Toi, tu crois vraiment que quelqu'un qui vit avec Bouddha, you think somebody that lives tu with crois Buddha, qu'une telle personne, tu peux blaguer avec? You think that person you can work, play with it? Quitte-la tout de suite. Leave her, leave quitte-la, leave je dis quitte-la. Leave je dis quitte-la tout de suite. Leave her, leave her. Je dis quitte-la tout de suite. I command you now. I command you now. I command you now. I command you now. Come out. Come out. Oh, acclame pour Jésus-Christ. Vous voyez, Olivier, c'est de lui là dont je parlais. Il était là. Si Olivier, pendant que je parle, il m'attaquait. When I was talking, he was attacking me. Jesus Christ. Vous ne savez pas ce que nous vivons ici. You don't know what we are going through here. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, je pouvais déjà déposer les micros depuis longtemps. If it's not the spirit of God, I would have given the microphone and go. Vous croyez que c'est un travail comme ça? Do you think it just on peut blaguer avec ça ici? Tous ces esprits qui sont là m'attaquent. All the spirit that is here, they are attacking me. Je suis combattu maintenant même. I am under attack right. S'il y a des enfants de Dieu qui m'aiment, priez pour moi pendant que je prêche. The children of God here that love me, they may pray for me while I'm praying. Intercédez pour moi. Intercede for me. Dans votre cœur. In your heart. J'ai besoin d'intercesseurs ici. I need an intercessor. Ce que moi je vis ici, vous ne savez pas. What I'm going through, you don't know. Si ce n'était pas le Saint-Esprit, if it's not the Holy Spirit, il peut te faire mal. It can do you evil. Il peut te tuer. It can kill you. That's right, man of God.
L'église sans le Saint-Esprit est une église morte. A church without the Holy Spirit is a dead church. Vous pouvez toujours faire sortir toutes sortes de versets que vous avez dans la tête. You want to bring out every kind of verse that you have in your head. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. It's just a word in vain. Celui qui accompagne ces paroles-là n'est pas là. Tu ne peux rien faire. All those words are not there. Un cadavre. A dead body. Dis à ton prochain, tu as besoin du Saint-Esprit. You need the Holy Spirit. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Thank you Lord for the Holy Spirit. Tu as dit tu ne nous abandonneras jamais. You say you will not forsake us. Tu ne nous délaisseras point. You will not leave us. Nous sommes plus que vainqueurs. We are more than conquerors. Car le Saint-Esprit est avec nous. Because the Holy Spirit is with us. Aucun malheur ne nous arrivera. No evil will happen to us. Aucun fléau ne nous atteindra. In case we come near nous sommes plus que vainqueurs. We are more than conquerors. Quelqu'un dit nous sommes plus que vainqueurs. Somebody say we are more than conquerors. Amen. Le monde connaîtra le Dieu d'Israël. The world will know the God of Israel. Les puissances des ténèbres sauront que nous sommes envoyés par le Dieu vivant. The power of darkness will know that we are sent by the living God. Laisse-la venir vers moi. Viens, madame. Woman, madame. Down she go. Clap your hands for the Lord. Clap your hands for the Lord. Tu ne peux pas parler de Jésus de Nazareth. You cannot talk about Jesus Christ. Si l'esprit de Jésus n'est pas avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to somebody? La parole de Dieu n'est pas la parole de l'homme. The word of God is not the word of man. L'évangile du Christ n'est pas l'évangile de l'homme. The gospel of Jesus Christ. C'est la mission que Dieu a donnée à son fils unique Jésus de Nazareth. The mission that God gave it to you, unique. Et c'est lui qui est censé de continuer la mission de Jésus. He is the one that doit le faire selon l'ordre qui vient du ciel. Recording the et non des hommes. Hallelujah. Est-ce que je parle à quelqu'un? I'm talking to somebody. Madame, regarde-moi. Madame, look at me. Ici. Here. Viens vers moi. Come towards me. Quelqu'un va me dire pourquoi il souffle. Somebody will tell me why he's suffering. Mais toi aussi tu as le souffle. You also have a souffle breath. Qu'on voit. Breathe so we may see. Blow. Souffle. Blow. We may see. You have also a breath. Le souffle c'est l'esprit. The breath is the spirit. Ce qui est en toi là. The one that si c'est you, Dieu. If it's God. Quand tu vas faire when you do, le monde verra Dieu. The world will see God. Oh, acclamez Jésus. C'est fini, tu es libre. Elle est libre. Acclamez le Seigneur. Tu as bien fait de vivre seul sans le Bouddha. You did good to stay alone without the Buddha. Vaut mieux être seul. It's better to que be mal accompagné. And to be followed with evil. Sinon, il allait te manger un jour. Otherwise, he would have tu es séparé avec, mais il marche toujours avec toi. Quand tu dors, tu le vois dans tes rêves. You sleep, you see him in your dream. Il fait de toi ce qu'il veut dans tes rêves. He makes what he wants. Et tu dis tu es chrétien. And you say you are a Christian. Mais non, si tu es chrétien, tu dois démontrer au monde t'as la puissance de ton Dieu. If you are Christian, you need to demonstrate to the world that ce qui vous manque, c'est l'esprit du Christ en vous. The power of God, the spirit of God in you. L'esprit de Jésus de Nazareth. The spirit of Jesus Christ of Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to somebody? Chacun a son temps. Everybody have his own time. Moïse, Moses, a eu son temps. He had his time. Élie,
Il a eu son temps. Mais c'était tous des hommes nés d'un père et d'une mère. Le Dieu qui avait utilisé Moïse, il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Le Dieu qui a utilisé Élie, il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Mais Moïse avait un commencement et Moïse a eu sa fin. Élie avait un commencement et lui aussi a connu sa fin. Mais Jésus de Nazareth n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, si tu es en Christ Jésus, aucun démon ne saura t'arrêter. Aucune puissance du mal ne saura te troubler. Tu seras, tu deviens un trouble dans le monde de ténèbres. Partout où tu passeras, le monde de ténèbres saura que la lumière est entrée en cet endroit. Si on parle contre toi, c'est que toi tu es grand. If they speak against you, that means you are better. Les grands ne parlera jamais contre les petits. Leur vie même il est même pas là. Their life tu ne le connais même pas. You don't even know them. Mais eux ils te connaissent. But they know you. Pourquoi? Why? Parce qu'ils te voient au sommet. Because they see you on top. C'est simple. Jésus dit, vous êtes une ville sur la montagne. Jesus said, you are a city on top of the mountain. Une lumière. A light. Pour éclairer le monde. To enlight the world. C'est pourquoi. That's why. La lumière ne parle jamais contre les ténèbres. The light does not speak. Au contraire, il a besoin des ténèbres pour manifester sa gloire et sa puissance. Oh yes, he need the darkness to manifest his glory. Mais les ténèbres n'aiment pas la lumière. Les ténèbres peuvent être forts. Le ténèbre peut engloutir tout un pays. Mais si seulement une petite lumière vient au milieu du ténèbre, le ténèbre disparaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sa volonté est que tu sois la lumière. Il veut que tu brilles au milieu de ténèbres. Je dis, il veut que tu brilles au milieu de ténèbres. Il veut que tu brilles au milieu de ténèbres. Il va te donner sa puissance. Tu vas dominer au milieu de ténèbres. Le diable te fuira. Les démons te fuiront. Les maladies te fuiront. Au nom de Jesus' name. Rabababosh. My God. Mais à une seule condition, asseyons-nous. For écoutez reason, la condition. Listen to the continuons condition. La lecture. Let us continue the reading. Écoutons la condition. Comme Jésus se mettait en chemin. Comme Jésus se mettait en chemin. Première condition, c'est le chemin. First condition is the way. Amen. Première condition, c'est le. Sur quel chemin tu te trouves? Which way do you find yourself? Plusieurs personnes. Soit disant qu'il est chrétien. A lot of people so-called they are Christian. Mais il a plusieurs chemins. But they have many ways. Mais tu as combien de jambes, mon ami? How many legs do you carry? Tu as combien de jambes? How many legs do you carry? Tu vis comme chrétien. You live as a Christian. Mais en dehors de l'église. Outside the church. Tu as aussi un copain. Mais mon ami, un copain là. Ma fille, le copain fait quoi dans ta vie? The boyfriend is doing what in your life? On ne peut pas caresser le péché. You cannot play with the sin. Même si c'est lui qui paye ta maison. Even though he is the one who pay your rent. Il vaut mieux dormir dehors et entrer au ciel. Better enter, sleep outside and enter heaven. Oh, parce que tu n'as pas de papiers en Europe. Because you do not have a stay in Europe. Cette vieille dame là t'a ramassé. This old woman have caught you. Et c'est elle qui te nourrit. And she's feeding you. Ah, jeune homme. Oh, young man. Elle a 52 ans, 54 ans. She's a 52, 54 years. Toi. You. Tu n'as pas encore atteint 30 ans. You don't even have a 30 years. Et tu vas être logé dans la maison de ta maman si c'est ta grand-mère. And you will live in the house of your mother or even your grandmother.
Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai montré du doigt à quelqu'un. Je ne fais que parler. I did not point mais jeune homme, sors de là. Come out of there. Oh, je n'ai pas de papier. I do not have a state. On a dormi dehors. On n'avait pas de papier. We also we sleep outside. We didn't have a state. Mais comme Dieu n'abandonne jamais ceci, hein. Because God did quelqu'un not nous a ramassé un jour. Children. Think about it. Vaut mieux dormir dehors. It's better to sleep outside. Ma fille. My daughter. Vaut mieux dormir dehors. Better to sleep outside. Et ne pas rater le ciel. And no, don't miss heaven. Même si on dit que je suis magicien, mais c'est un bon magicien. Even though they say I am a magician, je donne des conseils du royaume des cieux. I'm giving the advice. Alléluia. From heaven. Hey, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Vous serez justifiés. Vous serez justifié. And you will vous be deviendrez justified. Fort. You become strong. Hallelujah. Comme le roc. Amen. Like the rock. Aucun fléau ne vous écrasera. No case will break you. Aucune vague ne vous détruira. No wave will destroy si you. Vous devenez le roc, if you came les the vagues rock, viendront frapper votre vie. The wave will mais come vous resterez and ferme. And you'll be strong. Deux chemins. There is no two ways. Un pied dedans, un pied dehors. Ça n'existe pas. One leg outside. It doesn't work. Tu sors de l'église. You came out of the church. Tu cours vite là-bas, Barbès. Tu vas faire quoi, Barbès? You run to Barbès. What are you gonna do in Barbès? Hein? Tu passes ton temps là-bas, à Château Rouge. You spend your time in Château Rouge. Mais l'homme là que tu as là, tu sais très bien que c'est un mari d'autrui. Il appartient à quelqu'un d'autre. The man you carry, you know, is the husband of somebody. Laisse-le. Leave him alone. Quelqu'un a reçu sa parole. Quelqu'un est délivré. Quelqu'un est délivré. Hallelujah. Il te donne les démons. He's giving you demons. Il est un mari de nuit. He is a spirit husband. Il vient le jour chez toi. He came in the daytime to le you. Le soir, il ne peut pas venir chez toi puisqu'il doit dormir chez sa femme. Oh my God, even he cannot mais come because he needs to sleep nuit, with his wife. But in the night, il est avec sa femme au lit. With his wife in the bed. Mais il sort de là. He came out of there. Comment je ne sais pas. How I don't know. Il se retrouve dans ta chambre. And he find himself in your et toi, tu crois que tu étais en train de rêver. You think you are dreaming. Et dans ton rêve là, but in your dream, tu es en train de faire avec ce tout homme là. You are doing with this man. Hey! Et toi, tu crois que c'est un rêve. And you think it's ce a dream. Ce n'est pas un rêve. It's not a dream. Oh, acclamez pour Jésus-Christ. Quelqu'un, my God. C'est un mari de nuit. It is a spirit husband. Vous savez, moi j'ai toujours dit. You know, I always say. Il est impossible. It is not possible. De partager le cœur. To share a heart. That's right, man of God. Impossible. It's not possible. Il n'y a qu'un seul cœur. There is only one heart. That's right. Les hommes qui ont deux femmes, trois femmes, quatre femmes, c'est men les sorciers. Men that have a two wife, three wife. Oh, laisse-moi vous dire la vérité. Let me tell you the truth. C'est des sorciers. They are witches and wizards. On était là-bas tous. We were there, all on a vécu des choses. We went through de l'autre côté. In another way. C'est là où j'ai réalisé, j'ai compris que non. Il est impossible and then I realized de vivre avec deux femmes. To be with the two women. Tu aimeras l'une, you will tu love haïras one, l'autre. You will hate the other. Oh, acclamez pour Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to somebody? C'est pourquoi vous allez remarquer. That's why you notice. Tu veux sortir de là. You want to come tu out veux there. Le quitter. You want to mais go tu n'arrives away pas. From you cannot. Il t'a bloqué dans la sorcellerie. He block you in witchcraft. Oh, acclame. Quelqu'un est en train d'être délivré ici même. My Lord. Mais je te parle, non? I'm talking. Est-ce que j'ai mal fait de parler? It is. Parce que tu touches to ce point-là, tu n'es pas d'accord avec moi. I touch this area, parce you are qu'il a bloqué okay ton cœur. Because he blocked your aujourd'hui, heart. Tu seras débloqué. Oh, acclame, my Lord.
Today you will be set free. Lève seulement ta main. Lift up your hands. Non, pas tout le monde. Celle-là. Not everybody. The one I'm talking about. La concernée. The one that is concerned. Lève-toi là où tu es. Ah, c'est comme ça que je travaille. Stand Lève up toi. Where you are. Lève-toi, c'est moi. Stand Lève-toi up là où tu es. Lève-toi. Lève-toi. Stand up where you are. Lève-toi, toi qui es concerné, lève-toi. If you are concerned, stand up. Vous êtes captive, on vous a capturé. You are in captivity. Et vous êtes tombé dans le piège. And you have fell into the trap. Écoutez-moi très bien. Listen ne parlez good. Jamais See... contre quelqu'un ici. Regardez. Look. Nous les hommes là. We men. Tu vois ma fille, comment tu es belle. You see my daughter, how she's beautiful. Le jour où il t'a vu là. The day he saw you. Il t'a visé. He'll watch you. Il dit jusqu'à ce que je vais la voir. You see, until I will catch her. Et quand il t'a eu. When he gets you. Il t'a capturé. And he captured you. My God. Maintenant sors qu'on te voie. Now come out. Si la we main may see de Dieu ne te vient pas en aide. If the hand of God does not come to your rescue. Tu as toujours pris des décisions. You have. Mais tu n'as jamais exécuté ça. You always take a decision, but you could not fulfill it. C'est pas vrai? C'est vrai. Oh, acclame pour Jésus. Maintenant, mettez la main dans votre cœur. Now lay your hand upon your heart. Mettez seulement la main sur votre cœur. Lay your hand upon your tu heart. Tu veux sortir de là? You want tu to veux come vraiment? Out? You want to come out? Jésus veut vous sauver aujourd'hui. Jesus wants to save you today. Vaut mieux être seul. It is better to be alone. Qu'aller en enfer. Than going to hell. Vous comprenez? You understand? Vaut mieux être seul. It's better to remain alone. Vous ne méritez pas l'enfer. You do not deserve hell. Vous avez été piégé. You were a trap. Laissez le Saint-Esprit vous libérer maintenant même. Fermez les yeux là où vous êtes. Set you free right now. Demandez pardon à Dieu dans votre cœur. Ask forgiveness to God in your heart. Seigneur, pardonne-moi. Father, forgive me. Je ne veux plus cette vie-là. I don't want this life again. Père, au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus. Délivre tes enfants. Set your children free. Qu'ils sortent de ces pièges-là. To come out of this au nom trap puissant de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Sortez de ces pièges. Come out of this trap. In Jesus' name. In the name of Jesus. Quelqu'un dit, il y a puissance de Dieu. Ça c'est un lien ça. There is a bondage right there. Ça c'est un lien ça. There is a bondage. Ça c'est un lien. There is a bondage. Look at this. Watch this. Ça c'est un lien. Somebody watch this. This is a bondage. See the body moving under the power of the Holy Ghost. C'est comme ça qu'elle a été piégée. Le serpent est en elle. This is how she was trapped. Regardez. The snake that is in her. Maintenant même, sors d'elle. Now come out of her right now. Sors d'elle. I say come out. Sors d'elle. Come out of her. Sors d'elle. Come out of her. Regardez comment ça bouge. Look her body, how she's moving. Ça c'est le serpent. This is the snake right there. In the name of Jesus Christ. Sors d'elle. Come out of her. Sors d'elle. Come out of her. Sors d'elle. Sors d'elle. My God, watch this. Watch this. Mighty name of Jesus Christ. Jesus, mighty name. Come out. Come out of her. Out. Now, mighty name of Jesus Christ. Go, come out. Go. Quelqu'un acclame le Seigneur. Si le Saint-Esprit est en vous, s'il habite votre cœur, Holy Spirit is in you, live in your heart. Vous ne pourrez jamais et vous ne saurez jamais, vous ne saurez accomplir jamais, 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 vous ne saurez accomplir les œuvres du diable. You will never be able to accomplish the work of the devil. Amen. The will of the devil. La volonté du diable n'est pas pour vous. The will of the devil is parce not for you. Parce que celui qui habite en vous, because the one that lives in you, est plus grand. Is more greater. Il est plus puissant. Is more powerful. Que celui qui est dans le monde. Than the one that is in the world. Nous sommes dans le chemin. On a compris. We are on the way. We un understand. Seul chemin. Pas un pied dehors. One way. Not dedans. One leg okay? Outside, one leg in. Un seul chemin. One c'est way. Jésus. Is Jesus. Marcher avec Christ et Jésus. Walk with Jesus Christ. Et non avec quelqu'un d'autre. And not with another one. Ta pensée.
doit être fixé sur Jésus-Christ. To be straight to Jesus ça, vous lirez ça dans Hébreux chapitre 12 à partir du verset 1. You will read it in Hebrews chapter 12, verse 1. Hébreux 12, verset 1. Hebrews 12, verse 1. Amen. Tu dois fixer le regard sur Christ. You need to put your eyes on Christ Jesus. Lui seul qui va te donner la foi, qui he va perfectionner ta foi. To position your faith. Tu as besoin de cette foi-là pour vivre. You need this faith to go on. Un seul chemin. Only one way. C'est la première condition. That's the first condition. Nous continuons. Let us continue. Un homme a couru. Un homme court vers Jésus. Et se jetant à genoux devant lui. Man runs se jeta Jesus. À genoux devant he Jésus. Threw himself on the knee of Jesus. Bon maître, lui demanda-t-il. Attends, deuxième condition. Second condition. Non seulement être dans le chemin avec Christ. Being on the way with Christ. Mais courir. But running towards. Auprès de Jésus. Near, next to Jesus. Amen. Towards Jesus. La Bible dit, cherchez-moi comme vous cherchez l'argent. The Bible says, seek me like you are seeking plusieurs for money. Vous venez à l'église. A lot of you came to church. Mais vous ne mettez jamais Jésus en première position dans votre vie. You don't put Jesus Christ as the first place. Si aujourd'hui je suis capable de faire ce que vous voyez ici, if today I'm able to do c'est what I'm parce doing. Que j'ai pris le temps d'avaler la vérité. Because I took the time to swallow the truth. J'ai étudié la vérité. J'ai observé la vérité. C'est pourquoi truth. Vous me voyez chaque fois, je donne des versets sans regarder dans la that's Bible. Why you see me parce que j'ai pris mon temps the de manger la parole because de I Dieu. Took my time to et c'est cette parole qui est entrée en moi qui se manifeste aujourd'hui avec efficacité et puissance. Efficacity and power. Manger la parole de Dieu d'abord. Eat the word of God first of all. C'est ce qui explique Matthieu chapitre 6 verset 31. That is what the Matthew chapter 6 verse 31 explains. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Seek ye first the kingdom of God. C'est la parole de Dieu. That is the word of God. Et cette parole vous rendra libre. And that word will set you free. Courez vers la parole. Run towards the word. Cherchez-le comme vous cherchez l'argent. Look like you're looking for money. Pourquoi vous ne mettez pas la parole de Dieu en première position? Why don't you put the word of God in the first place? Vous mettez l'argent en première position. Put money on the first vous place. Mettez les hommes en première position. Men at the first vous place. Mettez les femmes en première position. In the first place. Mettez Jésus-Christ put dans Jesus votre Christ vie. At the first place. Courez. Run. Courez avec persévérance, la Bible. Run with perseverance. Vers Christ. Perseverance. Sur le deuxième point. That is the second premier point. Point, c'est quoi? First point. Le chemin. Is deuxième to point, c'est quoi? Et second, to run towards Jesus. Courir vers qui? Continuons. Troisième point. Continue. Third point. Bon maître, lui demanda-t-il. Il appela Jésus bon maître. He called Jesus good master. Troisième point. Third point. C'est honorer Dieu. Amen. You will honor God. Hallelujah. Amen. Amen. La Bible dit dans 1 Samuel, the Bible says in 1 Samuel, j'honorerai ceux qui m'honorent. I will honor those that will honor me. Je mépriserai ceux qui me méprisent. We denied those that will deny me. Honore Dieu. Honor God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to somebody? Josué dit ceci. Joshua says this. Moi. Me. Et ma maison, and my household, nous servirons l'Éternel. We shall serve the Lord. Acclame Jésus si tu le crois. Notez bien ce point-là. You have to write down these points I'm calling. Honore Dieu. Honor your God. Toute personne qui honore Dieu. Every person that honor his God. Dieu se fera connaître à lui. God will make himself known by him. Hein? Mais si tu honores Dieu, tu honores Dieu. If you honor God. Mais Dieu va t'honorer aux yeux des anges. God will honor you in the eyes de of démons. Angels. Demons. Des esprits de mort. The spirit of death. Dieu va t'honorer, il va t'élever au-dessus de tout. God will elevate you above everything. Quand Dieu honore. When God honor. Regardez comment il a honoré son fils Jésus. Look how he honored his son Jesus. Il dit, celui-ci est mon fils he bien-aimé. Said, it is my beloved son. En qui j'ai mis toute mon affection. I put all my or la affection. Bible dit, nous sommes les membres du corps de
Christ. The Bible says we are the body of Christ. Si nous honorons Dieu, if we honor God, comme Jésus a honoré son Père, like Jesus honored donc his nous father, lui appartenons. We belong nous to sommes son corps. We are his body. Alors la parole qu'il a dit pour son fils Jésus, the word that he said cette for parole his father, nous concerne également. That word will si il a élevé them, Jésus au-dessus de tout, Jesus, il est normal qu'il t'élève au-dessus de tout. That he elevates you above everything. Hey! Troisième point, c'est honorer Christ. Quatrième point, is to honor Jesus. Fourth. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? What do I have to do to earn the eternal life? Écoutez, le quatrième point va sortir. Continue. Listening, the fourth point will come out. Jésus lui dit. Pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. Continue. Tu connais les commandements. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit. Maître, j'ai observé toutes ces choses. Tout ce que tu dis là, moi, je les ai observées. Dès ma jeunesse. Oh, depuis mon enfance même. Jésus l'ayant regardé. Jésus va le regarder avec un cœur d'amour. L'aima. Et lui dit. Il te manque une chose. Il te manque une seule chose. Donc tu as tout fait. Donc tu as vraiment tout fait. Tu es vraiment brillant. You un brillant have done élève. Everything. You are a brilliant. Tu as honoré Dieu. Tu as fait you beaucoup de choses. God. Ça c'est très bien. That's very good. Mais une seule chose te manque. But one thing is missing. Mon enfant. Il n'y a qu'une seule chose. There's the only one donc, tu es presque à la porte du ciel. Écoutez la chose. To enter the gate of heaven. Va. Vends tout ce que tu as. Vends toi-même. Vends-le. Go and sell everything that you carry. Donne-le aux pauvres. Maintenant, quand tu vas vendre, when you sell it, prends tous ces intérêts-là. Take all this money. Commence à partager aux pauvres. And begin to share it to the poor. Et écoute, tu auras un trésor dans le ciel. Et au ciel même, tu auras les trésors. Oh, quelqu'un est délivré. Acclame pour Jésus. Non seulement tu vas entrer au ciel, you will enter heaven, mais par-dessus tout, tu auras un trésor. Not only that, above all, you have a treasure. Regarde la réaction du fils. See the reaction of the son. Puis viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, affligé, attristé, cet homme s'en alla tout triste. Lui qui voulait le royaume des cieux, he that needed the kingdom of on lui donne la condition, they give him the condition, au lieu qu'il se réjouisse, instead of rejoicing, c'est comme si tu vas dans un bureau, it's like you go to the office, tu veux demander le boulot, you want to ask about on job, dit nous t'acceptons, they will accept you, mais à une seule condition, in one condition, va déposer go, la lettre de démission là où tu es, et viens commencer le boulot ici. Lui, il est triste. Where you were. Oh, mais moi, je voulais garder les deux boulots. Oh, I wanted to keep the two jobs. Égoïste. Egoistic. Dis égoïste. Somebody say egoistic. Abandonne tout. Forsake everything. Quatrième point. Poursuivre point. Christ. To follow Jesus Christ. Tu ne dois pas suivre Christ. You cannot follow Christ. Et garder ta vieille nature. And keep your old nature. Je m'arrête là. Oh, acclame Jésus-Christ. Quelle parole, quel enseignement, quelle bénédiction. Que toute la gloire soit rendue à Jésus.